À Saint-Élie-de-Caxton, le temps funambule finissait d'user son fil. Tranquillement. C'est très rare qu'on ait la chance, c'est vraiment une chance de retrouver une équipe. Il y a, dans l'histoire du cinéma ici, il n'y en a pas des tonnes, des suites comme ça, et de se retrouver toute la même gang. C'est sûr que c'est une chance, c'est un privilège formidable de pouvoir... En même temps, on revient, tu sais, moi, j'étais chanceux, ils avaient tout gardé. J'ai retrouvé ma même chemise, mon même pantalon, mes mêmes bas. Ben, tout était là, mon petit foulard, ma casquette. Donc, mon manteau d'hiver, tout était là. Donc, c'est sûr qu'on rentre dans quelque chose qu'on connaît, mais en même temps, on rentre dans quelque chose de complètement nouveau, parce que c'est une autre histoire. Donc, on rentre pas trop dans nos pantoufles non plus, parce que ça pourrait être dangereux, on le sait comment le faire. Puis à un moment donné, Luc Picard nous a dit, mettons qu'on le sait pas, tu comprends-tu, juste pour se renouveler nous-mêmes, puis c'était juste comme note. Mais c'est une chance formidable, nous autres, on est prêts pour partir, pour en faire 32 films comme ça, tu sais. J'ai tellement de plaisir à travailler ce personnage-là, puis j'ai tellement de plaisir à nager dans l'univers de Fred. Puis de ça, je suis redevable de ça à Luc Picard, qui a pensé à moi pour le jouer. C'est sûr que quand on me fait miroiter l'idée qu'il y aurait peut-être un troisième film et que Méo pourrait être un personnage important de cette histoire-là, c'est sûr que je suis prête à tout lâcher pour le faire, tu comprends? Parce que jusqu'à date, le personnage de Méo, il est super important. Tu sais, même dans Isimézac, qui est un film plus profond, j'oserais dire, tout aussi fantastique, tout aussi drôle par bout, mais plus profond. Comme dans Babine, le personnage de Méo gravite autour. C'est comme une espèce de lâche un peu, qui penche du bord aussi, qui pense que ça va gagner, puis qui... Il s'habille en rouge et noir à la partie de dame. Tout à coup, c'est le noir qui gagne, tout à coup, c'est le rouge, etc. Tout ça. Dans le sens, c'est comme... Mais j'ose pas trop penser à un troisième film parce que j'ai peur que ça se fasse pas. Tu comprends-tu? Donc, moi aussi, j'entends ces rumeurs-là, mais j'essaie de laisser l'autre oreille ouverte également pour pas trop être déçu, parce qu'on sait en même temps que ce sont des projets de longue haleine. Que c'est dû à... que ça existe parce que mille et une personnes on voit au chapitre, alors peut-être... C'est sûr que j'en rêve, mais... Tu sais, des fois, des rêves, on est endormi, des fois, des rêves, on se réveille. Alors, je me le souhaite. Mm-hmm.